je suis Aurelio, élève ingénieur en deuxième année, et maintenant je vais vous présenter la Bibliothèque des Ponts. Elle t'aidera à réussir les 3 années que tu vas passer ici. Ici, à la bibliothèque, tu peux travailler tout seul en groupe, préparer tes projets, emprunter des livres ou des manuels, et enfin te détendre. Viens, je te montre comment ça marche. En tant qu'élève, tu es inscrit automatiquement à la bibliothèque. Il suffit de présenter ta carte pour emprunter. Pendant les cours, tu auras besoin des livres, notamment les manuels des cours, qui sont tous ici. Maintenant, je vais emprunter ces manuels. Voilà la salle de lecture. Tu peux travailler au calme, du lundi au vendredi, de 9h à 20h. Tu peux choisir l'endroit le plus confortable pour travailler, au rez-de-chaussée ou en mezzanine. Il y a du Wi-Fi pour les portables, un photocopieur et des postes libre-service. Sache qu'à la bibliothèque, tu peux s'y accéder à des ressources en ligne. Il y a des journaux scientifiques, des encyclopédies en ligne, et les principales bases de données documentaires pour l'ingénierie. Elles sont disponibles dans les sites web de la bibliothèque. Si tu as besoin d'aide, tu peux demander à l'accueil ou utiliser la chat en ligne. Tu peux aussi réserver une salle pour travailler en groupe. Les salles sont isolées, climatisées et équipées avec un tableau blanc et un écran. Tu peux aussi te poser dans l'espace presse ou dans un fauteuil acoustique pour te détendre. Bonjour Cyril. Bonjour Mario. La bibliothèque met à disposition des postes communautaires étudiants pour assurer l'accueil en soirée. Renseigne-toi sur le site de l'école ou demande à l'accueil. On ne peut pas boire dans la bibliothèque, mais on peut s'installer dans l'espace canapé à l'entrée.